On est avec Erika. Salut, salut. Salut toi. Comment vas-tu? Mais super bien, et toi? Très bien. Alors, tu me regardes moi, hein, là, c'est... Voilà, tu es tellement magnifique. Oh, merci, c'est bien aimable. Oui. Alors, raconte-moi, d'où viens-tu, que fais-tu, qui es-tu? Alors, moi, ça fait beaucoup de questions, mais en même temps, moi, j'aime ça. moi, je viens de Bordeaux, chose. Et ce que je fais dans la vie, bah, je fais des arts appliqués, du design à la fac de Bordeaux. Donc, d'accord. Autant dire que je m'amuse bien. Donc là, je resitue, nous sommes à Lyon. Pour mes vidéos à Lyon, mon petit week-end, mais tu viens de Bordeaux. Exactement. Voilà, c'est tout à fait normal. Je cours après l'air, en fait. Voilà, et sinon, bah, j'ai 20 ans. Tu as 20 ans. C'est un bel âge. C'est beau, c'est rond, mais ça ne durera pas, hélas. C'est très beau. Alors, tu es venue pour faire un street style? Oui. Et un street style qui est coloré? Oui. Et ça fait plaisir parce que moi, j'aime les couleurs. Oui. Et cette journée est trop grise pour ne pas en porter. Oui, tout à fait. Voilà, je suis très colorée, donc j'essaye d'apporter un peu de tout. On va commencer, hein. On va y aller. Allons-y, gamin. Tu veux commencer par quoi? Comme tu veux, soit de bas en haut, soit de couche à couche. C'est comme tu le sens. Bon, on va commencer par le manteau peut-être, parce que c'est le point de notre rencontre. C'est vrai. Il faut le savoir. C'est vrai. Voilà. On était loin, j'ai vu un manteau orange, je me suis dit, oh, voilà. C'est elle. C'est ça. Donc, magnifique manteau que j'ai acheté à Graines de Malis, que je dise pas de bêtises. C'est quoi? Je connais pas. C'est une petite boutique. Alors, je l'avais trouvé à Mont-de-Marsan. Enfin, c'est pas une petite boutique parce que c'est une chaîne. D'accord. Mais c'est Grains ou Graines de Malis. Et franchement, c'est super bien. Surtout quand on est un petit peu baraque, parce que ça fait vraiment des grandes tailles, il est super chouette. D'accord. Donc voilà, un manteau que j'ai depuis 3 ans, qui est de ma foi très bien. Donc j'ai dû recoudre les boutons, mais à part ça, il est très chouette, très coloré. Une jolie couleur. C'est ça, une jolie couleur. Sinon, donc j'ai 2 écharpes. Ah ouais, t'en as 2? Oui, ça ne se parce voit que pas j'aime comme beaucoup. Ça. Bah, il fait froid. Donc, c'est vrai. J'ai un foulard tout simple, que j'ai acheté aussi pareil à Graines de Malis, que j'ai acheté en même temps que mon manteau. Tout simple. D'accord. T'étais dans les mêmes teintes. Hein. Exactement. Au début, en fait, j'étais sage avec les couleurs. Et puis après, je me suis dit, oh, lâchons-nous. Hein, voilà. Et une très grande écharpe qui est très pratique, que j'ai achetée dans un petit magasin pas loin de chez mes parents. Après ça, j'ai mon magnifique pull. Magnifique pull acheté en fripe. Il est beau. Et oui. Alors, soit c'est abstrait, soit on voit des dents. Libre à vous. Ah, voilà. Moi, je vois des tasses, perso. J'ai pas mes lunettes après. Hein, mais bah voilà, bah libre à vous, c'est ça qui est beau. Donc je l'ai acheté 10€ en fripe, donc je me suis vraiment ruinée. Plaisir. Et je le porte tout le temps. D'accord. Vraiment, il est super chouette. Voilà. C'est un bon investissement, n'est-ce pas? Oui, non, franchement, il est vraiment très cool et très chaud et ample. On peut y aller à deux dedans, c'est bien. Ah oui. Moi j'aime bien. Et dessous, alors après, ouh, il y a de l'ambiance par ici. Que se passe-t-il? Bonsoir, un petit bisou. Et du coup, j'ai un t-shirt dessous que j'ai emmené exprès, qui est fat, qui est Princesse Mononoke. Oh yeah! Voilà, pour. Je suis une tu super. Peux remonter un tout petit peu encore. Voilà. Super grande fan de Ghibli. Parfait. Voilà. Trop stylé. Donc, fight like a girl, parce que les filles, elles se battent aussi bien que les garçons. Aussi bien, même. Pas de raison, même mieux. Oui. Carrément. On peut se le dire. Voilà. Donc, ça, c'est Mononoke. Ouais. Petite jupe qu'on m'a offert. C'est mieux en français. Voilà, qui est sympa surtout pour la texture parce que comme on peut le voir, c'est du noir. Oui. Je ne porte pas énormément de noir, mais elle est bien pour passer un peu partout. Ça a l'air super moelleux en tout cas. Eh ben oui, tu pourras tâter, c'est très moelleux. Je vais tâter. Hein. Voilà. Je ne vais pas louper cette occasion. Faut pas passer à côté. Voilà. Après bon, des collants sympatoches que je sais plus où j'ai acheté, mais qui sont coolos quoi. La couleur est cool, ouais. Ouais, bah elle est bien. Ils sont bien épais en plus parce que je suis du genre à péter mon collant au bout de 2 jours. Oui, bah écoute, voilà. Pour l'instant, je suis à 2 semaines, c'est pas mal. J'avoue. Voilà, des petites guêtres parce que ça tient chaud. Et mes superbes chaussures d'équitation. Ah ouais? Et ouais, donc toutes les mademoiselles qui font de l'équitation reconnaîtront, c'est Fugonza. Fugonza. C'est une marque connue d'équitation? C'est surtout genre à Decathlon, les trucs comme ça. Et je pense le Fugonza, ouais. Enfin, personnellement, je portais pas mal de Fugonza. D'accord. Et elles sont cool parce qu'elles sont noires, basiques et elles tiennent bien chaud. Et on peut marcher dans le crottin ou dans les flaques d'eau sans risque. Ah, ça c'est cool. Moi qui marche souvent dans le crottin, écoute, ça m'intéresse. Ça arrive. Voilà, sinon j'ai ce petit sac que j'ai piqué à ma grand-mère. D'accord. Qui est fort sympathique, ma foi. Qui est tout simple, hein, mais qui est sympathique. Et comme il était tout simple, je me suis permis d'ajouter une petite licorne. Ah, tu as bien fait. Parce que nous sommes tous des enfants. Voilà, et j'aimais beaucoup cette licorne. Oh. As-tu des accessoires? Oh oui. Fais péter. Fais péter. Alors, j'ai un petit collier là. J'ai un collier là qui vient d'Inde, si je dis pas de bêtises, qu'on m'a offert. Ok. Donc, plutôt sympa, qui fait un petit peu spirituel, j'aime bien. Au niveau des bagues, peut-être.
Petit raccord du... Oui. Du sweat. Et oui. Oui, et petit raccord des vernis avec le manteau pour faire genre, je connais les couleurs. Alors, ça, c'est une bague toute simple, bague homme de chez Célio, okay. que je trouvais cool, parce que j'ai des gros doigts, voilà. Ouais. Cette magnifique bague très jolie. M'a été offerte pour mes 20 ans par une super amie que j'apprécie beaucoup, que j'embrasse très fort sur le front. Donc, que je porte à peu près tout le temps, puisque je porte le pull tout le temps. Ah voilà, oui, bah, c'est pratique. Très bien. Par ici, donc, Célio, bague homme, même combat. Ouais. Le rock'n'roll, parce que c'est une bague que j'avais achetée avec la même amie. Qui m'a offert ça. D'accord. Qui est une bague carrée, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle m'a sauvé la vie. Elle t'a sauvé la vie ? Oui, je fermais mes volets comme une jeune innocente. Et en fait, mes doigts sont restés coincés, sauf que ma bague valeureuse m'a protégée. Ah ouais. Depuis ce jour, elle est carrée. Oh putain. Mais elle rentre quand même dans mon doigt, alors tout va bien. Et puis elle se porte chance, hein, faut oui, la garder. Elle est magnifique. Et en rigolo, c'est la bague, là on voit pas trop parce que j'ai relativement froid, donc elle est noire. C'est le genre de bague qu'on vendait aux enfants pour dire « Ouais, ça change de couleur selon tes humeurs et tout. » Donc ce qui n'est pas du tout vrai. ça change selon la chaleur. Et donc là, il fait froid, donc elle est noire. Mais quand elle fait un peu mieux, elle est bleue, vert, voilà, un petit peu galaxie, petite lune et tout. C'est la folie. Beau. Et petite histoire, j'ai mes boucles d'oreilles, que j'apprécie beaucoup, qui ont le double de mon âge en fait. Voilà. Alors elles ont 40 ans. Elles étaient à ma maman. Et en fait, on lui a offert pour ses 20 ans et elle n'a pas les oreilles percées et elle les a donc jamais portées. Et elle me les a offertes. Pour tes 20 ans, du coup ? Ouais, voilà. Ah. Donc du coup, j'ai repris le flambeau et elles sont ma foi fort, fort belles. Très bien. Visuellement agréables. Tu as fait le tour de ton... Oui, de ton look ? Oui, très bien, voilà. Donc toi, comment tu définirais ton style ? Ouh là là. Moi, je définirais mon style par... de la couleur ! Je vais mettre ça. Je n'ai pas vraiment de style, je suis très au coup de cœur. Je vais prendre un article, je le vois et bim, je le prends. Mais plus c'est funky et mieux c'est, j'avoue. Ok. J'ai plus du mal de classique. Mais bon. Et pour revenir à Mademoiselle, attention, question piège, tu lis Mademoiselle depuis quand ? Je lis Mademoiselle depuis début lycée, je crois bien. Belle gosse. Belle gosse. Et j'aime beaucoup Mademoiselle parce que ça m'a vraiment permis de mûrir en fait. Parce que bon, quand on est adolescent, on est un petit peu genre ouais, je suis une rebelle et tout. Et je suis tombée dessus par ma prof de théâtre. Ah, trop bien. Et elle m'a dit oh, regarde, trop cool. Et du coup, franchement, ouais, ça m'a bien aidée à mûrir sur le féminisme, cool. sur plein de choses, la culture, les vêtements aussi. Parce qu'avant, j'étais plus genre sobre. Et puis j'ai découvert Mademoiselle et les couleurs. Et petite danse aussi, tout ce que tu veux, pas de petite soucis. Danse, vas-y. Petite danse, voilà, attention, on sent le théâtre d'impro là ou pas ? Allez. Non, on sent pas trop. Un petit peu. Ah, il y a quelque chose. Ah, hein. Voilà, ça viendra peut-être dans plusieurs années. Bon, bah merci beaucoup, Erika, c'était super chouette. Bah merci à toi, c'était super cool en tout cas. Et donc peut-être à bientôt à Bordeaux, alors si je passe par Bordeaux... Mais carrément, je t'attrape au lasso. Ça rime. Allez, tout est calculé. Bisous, salut. Gros bisous.